Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bah, qu'est-ce qui nous attend sur ce bateau pirate? Ah, vous êtes un... Vous vous en êtes sorti. J'ai cru que vous y resteriez quand j'ai vu entrer ces monstres. Comment t'as pu croire que la puissance Jess n'était pas de taille? Enfin, passons, c'est quoi tout ce barouf-là? Désolé, je ne sais pas non plus. J'ai été attaqué dès le départ. Allez-y, je ne vous arrêterai pas. J'ai pas demandé quand même. Ouais, c'est ça. Comment vous avez fait pour sortir? Retournez là où vous étiez. Je me charge de celui-là. Attendez. Pa-da-pa-pa. Ah, on peut monter là. Lundo. Ça aurait sorti tout seul, vous savez, mais merci quand même. Sort d'où, lui? Thank you.
Ba-da-ba-ba. Colonne de feu. C'était des éléments, ça. Garder la clé. Garder la clé est une grande responsabilité. Ok. Toi, Gilda? Vous voulez savoir qui est le responsable de la clé? Aucune idée. Bon. Je vais demander à l'autre. Une clé, non, je l'ai pas. Je veux toucher Lila, tapis, nom d'une pipe. À côté du coffre que j'avais même pas vu. Une clé, désolé, c'est pas mon boulot, non, d'une pipe. Dans les genoux, c'est incroyable. C'est de pire en pire. De pire en pire. Thank you.
Je suis désolé, mais j'ai pas la clé. Et qu'est-ce qui se passe? Pour faire le tour. Hansen Québec, comment ça va, mon Hansen? Mais comment vous avez réussi à sortir? Ah, c'est pas grave. On a d'autres chats à fouetter de toute façon. Je peux pas passer à côté de toutes les chemins. De céréales. Ça fait bien. Moi, pour déjeuner, je mange une soupe wonton. Je mange ça à chaque déjeuner. Je me suis levé tard aujourd'hui. Calé. Putain, je me suis couché avant une heure, mais... une heure et quart, en fait. Après ça, je me suis levé au courant de la nuit. J'ai resté réveillé comme 2 heures de temps. Je m'endormais plus. Puis, le matin, quand le réveil matin sonnait à 8 heures, j'avais un petit peu plus. Puis là, j'ai mis mon réveil matin à 9h15, mais je l'ai changé d'endroit. Puis j'avais pas vu que c'était uniquement le mercredi. Fait là, je me suis réveillé, c'était 11h. J'étais comme, ah, tabac. Bon, moi, je suis reposé, hein, mais. Pas fier. On va faire une heure de ça, on va s'avancer. Parapapa. Merci pour votre aide, mais vous êtes qui? Ah oui, vous êtes les marins d'eau douce qu'on a jetés à la cale, mais comment? Enfin, c'est plus vraiment important maintenant, alors où vous voulez aller? La clé, non, je n'ai aucune idée de qui pourrait l'avoir. Bon, ben, t'as l'air bien. La clé, là, doit être une petite place niaiseuse.
Sous le tapis, non? Je reviens tout le temps, je vais aller. À qu'est-ce que tu vas jouer aujourd'hui? Ensemble. Qu'est-ce que tu vas jouer aujourd'hui? À quel jeu tu vas performer? Bon, ben, je te souhaite des kills. Ah, carré, je l'ai pas embarqué là-dedans tout de suite. Ta-da!
Ah, quoi encore? Non, vous pouvez pas penser, des monstres ont envahi sur le pont. Quoi, une clé? Hé, matelot, qui parle de clé? Ah, c'est moi. Vous voulez la clé pour la porte qui mène en bas, c'est ça? Et voilà. Quelle voiture? Ah, bon. Fallait que je parle deux fois, c'est une nuage. Pour rejoindre le pont supérieur, on peut aussi passer par l'armurerie en bas et remonter par l'extérieur. Ok. C'est bon à savoir. Vous devriez pouvoir accéder comme ça, les filets. Un coup de main au capitaine Fargo. J'y vais, j'y vais. Vous avez dit quoi? On peut plus passer dans le couloir? Non, d'une pipe. Alors passez par ce passe-plat, non, d'une pipe. Ça ouvre-tu bien d'autres portes, ça? Non. Toi, vous avez trouvé une clé, bonne chance. Allez-y, je ne vous arrêterai pas. Clé utilisée. Pa-pa-da-pa. Redescends pour mieux remonter. Excellent. Armée de âme de fer, c'est quoi ça? Donc c'est un... Donc c'est un... Ah, c'était ça. Non, c'était marqué de fer. Thank you.
Le Kraken, j'en crois pas mes yeux. Vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Ça m'embouche un coup, matelot. Vous voulez déguster ma boisson vitaminée maison? Bien sûr. Superbe. Turbo a été victime d'empoisonnement. Alors, c'est encore une phase de test. Ah, les gars, tu fais pousser le poids sous le tas, ça sera la prochaine fois. Bon. Allez, on se dit... Oh, un nouveau monstre.
que j'ai dû faire? Là, j'ai dû faire, c'est ça. Ah. Salut, faut-il faire Chrono Trigger avant ou pas obligé? Ben, pour être honnête, moi, j'ai jamais fait Chrono Trigger, mais je pense que les deux histoires sont pas reliées. Je suis pas mal sûr que Google pourrait mieux te répondre que moi. Et moi, j'ai jamais joué à ces jeux-là. C'est la première fois que je joue à un des Chrono Trigger. Ben, un des Chrono Cross, peu importe. Mais je sais pas si Chrono Trigger est en français. Peut-être qu'il peut être sur PC par rapport à des gens qui l'auraient traduit. Mais je sais que ce jeu-là, Chrono Cross, c'est la première fois qu'il est en français. Et c'est pas les mêmes personnages non plus, donc... Je vais vérifier pour toi, je suis curieux. De toute façon, j'ai mis les combats sur automatique. Les petits combats normaux, tu peux les mettre sur automatique, mais les gros combats, tu dois les faire toi-même parce qu'il y a plus de stratégie. Faut-il jouer à Chrono Trigger avant? Bon, faut-il jouer à Chrono Trigger pour jouer à Chrono Cross? Je veux juste avancer un peu, là. Bon. Non, mis à part 2-3 références, il n'y a aucun vrai rapport entre les deux. Par contre, Chrono Trigger est un jeu à faire absolument tant qu'il est exceptionnel. Un peu tard, si jamais tu repasses. Chrono Trigger est excellent, mais je ne te conseillerais pas la version PS1. Je te réponds avec un mois de retard, mais bon, ayant fait les deux jeux, je peux te garantir pour ma part que Chrono Trigger est bien mieux que Chrono Cross et pour... Temps, j'ai surtout joué à Chrono Trigger pour les mêmes raisons que toi quand je voulais jouer à Chrono Cross. Et Chrono Trigger m'attirait de blablabla. Ça dit qu'à la toute fin, c'est là qu'elle est... À la toute fin du jeu Chrono Cross, c'est là qu'elle est... C'est là que ça fait un peu un lien avec avec Chrono Trigger, mais pas vraiment, donc... Est-ce que Chrono Cross, Chrono Trigger a été rematérialisé en... Une nouvelle console, je sais pas du tout. Babar, tu joues à quel jeu dernièrement, de toute façon? Je suis curieux à quel jeu tu joues. Papapa.
Parapapa. Star Wars Lego, un mode petit jeu. Ah! Star Wars Lego. Tout le monde en... Beaucoup de monde en parle de ces jeux-là. Mais je me demande. Exemple que l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait en spécial Star Wars Lego, mais non, pas Star Wars Lego, Jurassic Park Lego. C'est comment ces jeux-là? Pourquoi tu te sauves tout le temps, ton tabarnak? Hein, tu peux savoir ce que je fais là? Je suis un passager clandestin, je voulais voir la mer, tu vois. Hey, ça, c'est lui qui était dans la cage. Quand je me suis réveillé, il y avait des monstres partout et ils m'ont vraiment trop fait peur. Je voulais découvrir le monde parce que, tu vois, moi, j'ai passé toute ma vie enfermé dans un labo. Tu pourrais me faire voir le monde? Bien sûr. Si. Oh, on a un nouveau joueur dans l'équipe, Pipo. On change le nom de Pipo. On l'appelle... Non, je vais effacer. L'appeler Baba. Hey, j'ai de la misère. Baba. Puis Baba, ça tue en honneur de l'éléphant Baba. Là? Faisceau de photons. Je vais essayer quelque chose. Thank you.
Vérifier mes les éléments. Je peux les laisser même pas regarder après. Là. Et juste à temps, matelot. Attention. Ils sont beaucoup trop nombreux. Pensant et vous, vous vous dites marin un peu courageux, morbleu. Allez, capitaine, capitaine, attention. Attention, capitaine, bon sang, matelot, allez, aidez le capitaine. Dégagez. Morbleu, on dirait qu'il y a une grosse vague qui arrive. Morbleu, mon bras. Tu t'appelles Caribou, c'est ça? Va prendre la barre. Tout de suite, capitaine, je compte sur toi. Gardez la tête haute, matelot, n'oublie pas. Vous êtes des pirates à bord de l'Invincible. À vos postes, il est temps de monter. Montrez à ces monstres ce qu'on vaut. À vos ordres, capitaine! Ce navire s'appelle l'Invincible. Mais alors, ça voudrait dire que... Caribou tient bien la barre, ils arrivent. Ça, il faudrait du blanc. Pires.
bien ça. Il est mort. GG. Je pense qu'il m'a attaqué d'une autre façon. On dirait que la mer s'est calmée. Vous dites que vous cherchez à rejoindre Fort Dragonia pour retrouver Ophid et ses hommes, c'est ça? Laissez-moi vous donner un petit conseil. Le mont de la Fournaise, c'est un véritable enfer, sans protection. Vous allez être là, à plat, en rien de temps. Je vous conseille d'aller guérir la protection divine du dragon de l'eau. En même temps, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler. Je me demande s'il est toujours vivant. En fait, j'ai pas entendu parler de dragons depuis un bail. Entre ça et les monstres qu'on vient juste d'affronter, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Je vais vous dire, même la mer semble avoir changé. C'est sûrement notre faute, ça doit être nous, les humains, qui avons causé tout ça. Ouais, écoute, j'ai mieux à faire que d'écouter un pirate pris de remords. Par le Kraken, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que tu as des enfants? C'est quoi cette question? Les enfants, oui, j'en ai. J'en ai eu plutôt. J'avais deux enfants, mais ils sont morts tous les deux. C'était il y a très longtemps. Si mon fils était en vie aujourd'hui, il aurait peut-être ton âge. Je suis désolé. Ah, t'en fais pas, Matelot. C'était il y a un paquet de temps. Mais pourquoi tu me demandes ça? Juste comme ça. Je me posais la question, c'est tout. D'accord. Prends bien soin de toi. Je pense que c'est le père à Nikki, parce qu'il y a un... L'autre, il y a un frère, lui. Le rivage de la Fournaise. Mais est-ce qu'il faut aller là, ou... Il faudrait peut-être venir comme ici en premier. L'île du dragon de terre. Du monde, on va leur parler pour voir. Cette énorme cavité mène à une caverne souterraine. Certains de nos hommes sont déjà descendus. Je vais aller sauvegarder, j'ai oublié que j'avais pas sauvegardé. Chef des explorateurs, les autochtones appellent cet endroit l'île du dragon de la terre, mais il est également connu comme la terre du dragon dormant. Nous recherchons rien révélé qui puisse prouver l'existence de ce soi-disant dragon légendaire. Est-ce que ce serait une fumisterie? Cette cavité mène à une caverne souterraine. Certains de nos hommes sont déjà descendus. Est-ce que je peux y aller? Ah, tu... Je voulais pas y aller tout de suite. Ah, mais j'ai sauvegardé avant, c'est quoi, je peux sortir. Je suis pas bien équipé pour tuer ces genres de monstres.
Tap water fish, what's up? Sans doute, la coulée de sable dont parlait l'explorateur, mais elle n'est pas active. J'arrive pas à croire que des gens soient vraiment descendus ici. Vous êtes curieux ou juste complètement stupide? Pardon, je suis de naturel direct, rien de personnel. Nathan. Pas la peine d'aller explorer plus loin. Il y a une cavité assez grande, mais c'est infesté de monstres. Deux choses que je vais aller faire là. Première chose, c'est me faire une arme de métal pour mon autre personnage. Peut-être une armure aussi, ce serait idéal.
médiator de fer. Qu'est-ce qui est plus fort? Cuirasse ou... Plutôt que Pchadre est plus... de cuir. Le gilet de cuir est 18 et le cuirasse est 18. Robe de cuir. Ah, les casses, il manque des écrous, mais peut-être m'en désassembler. Casse d'os. Casse d'os. Casse d'os. Casse de cuir. Casse de fer, ouais, non, ouais. Casse de cuivre, on va mettre un casse de fer. Casse d'os, on enlève ça, on a un casse de fer. Et un casse de cuivre, on met un casse de fer, plus on met un On est revenu dans le passé.
Non, c'est pas là que je vais aller. J'aime pas les humains, mais je ne déteste pas non plus. Pareil de Biba. J'aime les êtres puissants, quelle que soit leur espèce. Vous êtes fort comment? Aussi fort que les plus puissants? Je dis comment, c'est pas? Allez. Ouch. Arrête de Biba, c'était marrant. Je vous... Le trésor derrière moi est à vous. Pour cette bonne parole de Biba, je pars par là. Ils ont des rangs. De s'effondrer, il faudrait mieux éviter de passer là. Allez. On l'a tué. Un coffre. Soin de quai de groupe. Qui aurait cru que cet arbre abritait une grotte? Et qu'à l'intérieur se trouvait ce gigantesque monstre primitif. Au moins, il est mort avec notre chute. On l'aurait senti passer sinon. Si ce truc à cinq tentacules se réveille, on va se retrouver dans un sale pétrin. Faut trouver un moyen de se tirer d'ici à tant qu'il y a encore temps.
L'armée de Palpori fouille actuellement la zone et l'interdite au public. Vous aviez le temps quand ça serait terminé. Attends, petit, il n'y a rien à voir ici. Réponds à ma question. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!